Aujourd'hui, séance d'hypnose spéciale Zépinard. Pour Maricota Potescu et pour tous ceux qui n'aiment pas les épinards, vous allez vous réconcilier avec cet aliment. Donc suivez bien cette séance d'hypnose et surtout, concentrez-vous. Donc vous vous mettez face à votre ordinateur, dans un endroit calme, sans bruit environnant. Vous vous détendez et vous regardez mes yeux. Vous gardez les yeux grands ouverts et vous plongez vos yeux dans les miens. Vous n'écoutez que ma voix. Vous respirez profondément. On inspire à fond. Vous allez expirer à fond. On détend ses bras, ses jambes. La tête commence à être lourde, mais vous ne quittez pas mes yeux. Vous ne quittez pas mes yeux. Vous restez les yeux grands ouverts et vous n'écoutez que ma voix. Vous allez visualiser d'abord dans votre cerveau un moment heureux, un moment de calme. Vous êtes assis sur l'herbe, vous venez de faire un pique-nique. Vous sentez l'herbe fraîchement coupée et le vent. Et la brise marine, vous inspirez, vous ne quittez pas mes yeux du regard. Vous inspirez, vous expirez profondément. Vous avez à côté de vous vos parents, vous venez de jouer avec eux, ou alors vous venez d'embrasser votre petite copine ou votre petit copain, et vous êtes bien heureux, c'est le bien-être absolu. Vous visualisez cette herbe verte face à vous, tout autour de vous. Et vous êtes bien la plénitude absolue. Maintenant, vous allez visualiser un aliment que je sais vous n'aimez pas, mais imaginez dans l'assiette des épinards qui sont mis là dans un coin de l'assiette. À côté, il y a un petit peu de sauce barbecue ou de mayo, quelques frites. Et le vert des épinards n'est pas vert cacadois. Non, non, c'est d'un beau vert des prés, le vert de printemps de cette jeune herbe qui pousse. Vous vous concentrez sur mes yeux et sur ma voix, vous n'écoutez que moi. Vous avez dans votre assiette cette pelouse, cette prairie, ce bien-être qui vous environne. Et vous allez prendre une frite tout doucement, la tremper dans le vert tendre et un petit peu dans la sauce ketchup pour barbecue et manger cette délicieuse frite. Et maintenant, quand vous allez vous réveiller, tout doucement, vous allez revenir à vous, vous revenez dans mes yeux, vous réécoutez ma voix, vous n'entendez que ma voix. Et vous allez avoir une furieuse envie de manger des épinards. Et vous allez aller demander à vos parents ou à la cantine, « Je voudrais des épinards. » Et vous allez même goûter les épinards et les trouver bons pour la première fois de votre vie. N'oubliez pas, vous pouvez mettre un peu de ketchup, de barbecue ou de mayo. Bon appétit !